So, for example, si tu veux quelle est ta valeur par dire, l'ingénieur vous me que la sous-gradiente c'est A-4x. Allez, vous êtes d'accord avec moi là, pour A-4x, si vous avez comme gradiente, veut dire quoi ça? Ça veut dire que c'est dy par dx, vous espérez ce que vous rappelez là. Ce que vous rappelez qu'en allemand, gradiente veut dire dy par dx, ça veut dire qu'en d'autres mots, dy par dx, il peut vous A-4x. Très bien. Maintenant, l'ingénieur vous me dit que l'IP passe par point 2,4, the tangent to the curve. Alors, l'IP passe par point 2,4 et l'IP aussi passe par point 4,10. So, this is for the tangent. Alors, ce premier partie, c'est quoi? You need to find the value of. You need to find the value of. Et oui. Allez, comment je peux faire cette question-là? Il y a un petit peu pareil pour avoir des autres questions-là, mais il y en a seulement une petite complétation avec lui. Premièrement, qu'est-ce que je peux faire là? L'ingénieur comme ça à 2,4, ça c'est tangent là qui peut passer au ce point là. Et en même temps, tangent là, il ne peut pas passer au point 4,10. Allez. So, basically, this is going to be a curve. Ça c'est ce dy by dx. Si on a fait un petit sketch pas ici, un petit sketch, juste pour les cas parmi nous, nous disons comme ça, ça c'est curve là. Et nous disons comme ça, ça c'est. Nous disons comme ça, ça c'est tangent là. L'ingénieur comme ça que the curve, the tangent to the curve at the point 2,4. De tout la cause, ça veut dire que ça c'est 2,4. Si un tangent peut passer avec un curve, que le point 2,4, ça veut dire que 2,4 il aussi trouve l'eau et aussi vous avez trouvé l'eau curve là. Vous êtes d'accord avec moi, ça peut être là. Oui, mais il est aussi dit maintenant que ça tangent là, il aussi passe pour un point 4,10, mais ça point 4,10 là par contre, il pense vraiment qu'il trouve l'eau curve. Mais d'après eux, logiquement, est-ce qu'il peut trouver l'eau curve là? Qui fait l'eau les chats? Parce que. Très bien, exactement, très bien. Un tangent tout le temps, c'est un aligne qui connaît 7 points en contact. Si tangent aligne finit pas sur 2,4, mais il n'est pas capable de repasser l'eau n point qui peut trouver l'eau comme là. Je peux saisir, ça veut dire que 4,10 là, il n'est pas trouvé l'eau comme là. Ce qui comprend logique là, pas ici là. Oui, allez. Moi, nous pouvons travailler par le A, même si nous ne payons aucune façon que nous faisons, à moi de m'essayer. So this is dy by dx, which is a minus 4x. Allez, comment je peux faire y? From dy by dx, how do you get y? Intégration. De tout d'abord, ça veut dire que nous devons arrêter y a, on va tirer 4x dx. Good for this one. Oui, on va intégrer a, on va tirer 4x dx. Alors, cela vous donne quoi? On va intégrer a. De ton corps, rappel, il est devenu ax. Et par contre, si nous pouvons intégrer 4x, alors voilà. X pour moins par 1 et pour une power 2, divide by new power qui est 2, and then don't forget to constant of integration. Maintenant, dedans, on arrête bien, il devient plus compliqué au fait là. Pourquoi il devient plus compliqué par ici? Mais simplement parce que, valeur A même au pénal, maintenant on va gagner valeur, c'est tout avec ça. Allez, on va mettre un coup d'arcelle qui est l'époumine. L'époumine Y est égal à AX, on va tirer. Alors, 4 divisé par 2, cela vous donne 2. Alors, c'est 2X squared plus. Alors c'est ax retiré de x squared plus c. Oui, mais maintenant ça c'est quoi ça? Ça c'est l'équation de Mokov ça. De toute la peau que ça, je vais tomber l'équation de Mokov ici là. Voilà, so this is equation of. So this is equation of the curve. Good for this one? Oui. Allez, ça moi je vais maintenant. What is to be done next? Qu'est-ce que tu supposé faire pas ici? Vous êtes capable de faire sa valeur là. Anyone? Allez, regardez bien, ça c'est mon curve. Vous êtes tout d'accord que ça prend un peu trop l'eau, sa curve là. Le fait qui est 2,4. Tangent là, il passe là-bas. Ça veut dire 2,4, il aussi trouve l'eau, mon curve. Si il fait trop l'eau, mon curve, ça veut dire 2,4, il satisfait l'équation de mon curve. Et tout le temps, quand n point, il satisfait l'équation n curve, il ne va pas remplacer dans l'équation curve là, il ne va pas venir mal un loan. D'accord, c'est bon là. Alors, ce qu'il va faire pas ici, alors, à 2,4. Le fait que 2,4, il peut trouver l'eau comme là, ça veut dire en d'autres mots, mon capa remplace x égale à 2 avec y est égal à 4 dans l'équation de Mokov. Vous êtes tout d'accord par rapport à ça peut être là, là. Oui, allez très bien. Dans la remplacer un coup de nom, c'est à 2,4x est égal à 2 et ensuite y est égal à 4. Alors, so it implies que y est égal à ax en retirer 2x square et ensuite plus c. What does it become? Alors, si on remplace y par 4, ensuite on remplace x par 2,
Ici, si on remplace x fois 2 et ça c'est le mot plus c, alors cela me donne 4 est égal à 2a. Ensuite, 2 to the square c'est 4 fois 2, cela vous donne 8. Et ensuite, ça c'est plus c. À la fin, cela vous donne 2a plus c est égal à moins 8 pour bien plus 8 là-bas. 4 plus 8, cela vous donne 12. Nous avons déjà 18 fois nos premières équations. D'accord, c'est bon là. Allez, demandez votre mémoire, what is next step? Après, ce que vous êtes supposé faire maintenant, parce que, regardez bien, on a un point pas aussi là, qui me peut pas remplacer. Vous êtes tous là-bas avec moi, là, on a un point pas aussi qui me peut pas remplacer. Pendant, c'est quoi là? C'est point 2, c'est point 4,10. Allez, demandez votre mémoire, comment je vous fais maintenant avec ça, point 4,10 là? What is leading point for this one? Anyone? Essayez de chercher. Ça veut dire celui de 2,4 et 4,10 pour gradient. Après, il y a 2,4 et 4,10 pour gradient. Gradient, très bien. Et ensuite, là, très bien, très très bien. Ça aussi, c'est très très bien. Alors, ce qu'on va faire ici, là, nous démarrons avec cette partie là. Donc, nous ne finissons pas intégrer. Et il y a une autre façon qu'on ne peut pas faire. Mais je vais prendre le moins de temps que je la propose ici. Alors, ce qu'on a 2,4 et 4,10. Si toutefois, allez, nous quittons un peu ici là-bas. Si toutefois, nous faisons pas attention là aussi, it's still going to be very fine. Si nous mettons un peu A ici, voilà. Alors, le fait qu'il me la ligne, il me passe pour ça point 2,4 là. Mais la ligne me passe pour 2,4. Et ensuite, 4,10. Mais si la ligne me passe pour ça 2 points là. Alors, je tout d'abord qui ne m'a pas fait sur gradient. Oui. So, what is gradient of the line? So, this is the tangent. So, this is the tangent. Now, what is it going to be for gradient of the tangent? Comment ça fait gradient of tangent? What is formula for gradient of tangent? And tangent, il paraît que la ligne y2 minus y1 upon x2 minus upon x2 minus x1. Right for this one? Oui. Alors, ce qu'on travaille, y2 minus y1, c'est 10 retiré 4. X2 minus x1, c'est 4 retiré 2. Alors, cela vous donne 6 divisé par 2, cela vous donne 3. Maintenant, ça c'est quoi? C'est gradient of tangent. De tout d'abord, ça c'est gradient of tangent. Mais maintenant, vous êtes gradient of tangent. C'est pas dy by dx qui donne moi ça? De tout d'abord, c'est dy by dx qui donne moi gradient of tangent. Ça veut dire en d'autres mots que c'est. Ça veut dire en d'autres mots que c'est dy by dx qui vaut 3. Je vais tout d'abord avec sa partie là. Alors, souvent, ça peut trouver ça là, comme là, évidemment, et nous. En même temps, ça m'étonne là aussi, c'est beaucoup plus facile. Là, normalement, c'est pressé qu'il y a le A avec ses bonnes, ça va être l'os. But it turns out that this one is actually better. Très bien, Nishta. Alors, voilà, nous, c'est ça là, comme là. On a 2,4 avec 4,10. Mais après, ça n'a pas peu de là, plus facile. Ça, c'est mon dy by dx qui vaut 3. Alors, c'est tout d'abord dy by dx, c'est le même qui veut représenter le gradient of tangent. Ça veut dire en l'autre mot, dy by dx qui vaut 3. Maintenant, si dy by dx qui vaut 3, ben, c'est trop trop facile. Alors, ça veut dire que a retiré 4x, il vaut combien? Ça veut dire que a retiré 4x, il vaut 3. Maintenant, code qui point ça? Code qui point que a retiré 4x, alors il vaut 3. Ça, c'est le gradient of tangent qui vaut. Ça, c'est le gradient of tangent qui vaut 3 là. Oui? Maintenant, code qui point ça? À l'examen de film là. So, we reach at this stage. Dy by dx qui fait vos 3 fois ici, veut dire que a retiré 4x qui fait vos 3. Maintenant, examen de film. Qui va le x remplacer de 1? Anyone can tell me for this? Trop trop simple, vous autres. Mais je t'en. Code 2, vous autres. So, tu l'as fait avec moi, qu'est-ce bien? Ça c'est mon tangent. Good for this one. Maintenant, bout en bout de sa tangent, là, sur le gradient, il fait vaut 3. Là. Bout en bout de sa tangent, là, sur le gradient, il fait vaut 3. Allez, pas de problème. Mais to the curve. Code ça me passe avec sa curve, là, code 2. Vous êtes d'accord avec moi, ça veut dire, le mot c'est at the point 2,4, to the curve. C'est to the curve, c'est at the point 2,4, qui vraiment, il peut tomber un gradient de 3. Donc, tout d'accord par rapport à ça. Ça veut dire, en d'autres mots, alors, dy by dx, il vaut 3. Quand ça, il vaut 3. Alors, at. What is the name of the point? At 2,4 to the curve. Voilà. Mais elle est trop trop facile.
Alors cela veut dire quoi? Alors cela veut dire que what is the y value? C'est a retiré 4x. Alors a retiré 4x il vaut 3. Alors ce ça a 2,4. Alors cela veut dire qu'il me dit qu'il prend place x par. Il me dit qu'il prend place x par 2 ici. Alors cela vous donne a retiré 8 est égal à 3. Alors moins 8 vous venez plus 8 là-bas. Cela vous donne a est égal à. Cela vous donne a est égal à 11. Good for this one? Oui. Maintenant, par contre, ici, la partie B. Alors, la partie B, moi, je finis connaît que A est pour 11. Ça qui ne va pas faire vraiment là directement quand je travaille. Si je mets ça, est-ce que je mets ça comme partie B de là, ici? Je mets ça comme partie B, je finis connaît que A est pour 11 par ici. Alors, ça veut dire que nous pouvons intégrer ça. Et pour une 11x qui nous pouvons intégrer par ici. Alors, cela vous donne combien? Cela vous donne 11. Intégration de 11x par ici, désolé, oui, cela vous donne 11x, alors cela vous donne 11x retiré 2x, si soit plus c. Là, voilà, je n'ai qu'un appareil en place, par exemple, je vais faire des vidéos en exemple 1, 2, 3, etc. Comment je dis fini gain? Comment je dis fini gain, je dois avoir une valeur c. Comment je dis apprendre une valeur c? Pour une valeur c, là, je n'ai qu'un appareil en place un point qui trouve l'auteur là, qui est 2,4. Allez, rapidement, on remplace y par ça, c'est-à-dire. Alors, ça veut dire que y est remplacé par 4. Alors, ça, c'est 11 multiplié par 2. On peut tirer 2 fois en 2 to the square plus c. Anyone can give me the value for this? Alors, c'est 22 retiré 8 plus c. Exactement, value, s'il vous plaît. Combien de fois? On va valer ça avec eux directement. Combien? 10. Alors, la valeur de C, c'est négatif. Négatif 10. Alors, dans sa carrière, c'est négatif 10. C'est bon, négatif 10? Oui. Alors, cela vous donne négatif 10. Therefore, what is the equation of the curve? C'est Y est égal à 11X. On retire 2X square et ensuite retire 10. Good for this point. Oui. Alors, juste quand je vais notre lit, là, par contre, quand je vais notre lit, pour la partie A. So you are going to start by taking this diagram. C'est le petit A. Je prends ça dans la main en bleu là. Après je copie le tout. Pour la partie B là, je vais prendre la main. Good. Oui, un petit métal encore. Ellie, let us have a look at example 8. Ça veut dire l'exemple tout à l'heure là, c'était exemple 7. N'est-ce pas? Allez, good. Dedans là, c'est quoi? Dans un autre gradient of the normal, allez suivez-y bien. Il y a deux qualités de gradient pour ce niveau. Un c'est gradient of tangent, which is dy by dx. Et par contre, un c'est gradient of normal. D'accord, c'est bon. Et vous espérez que vous connaissez qui normal veut dire. Normal c'est quoi? Normal c'est la ligne qui peut tomber perpendiculaire avec un tangent. C'est encore rappelé ça. C'est une façon de 90 degrés. Allez, gradient of the normal to a curve at the point x virgule y, c'est négatif a en x plus 2 tout. The square. Et nous allons là maintenant, il passe, etc., etc. Alors, meilleure chose quand je viens de question comme ça, just gonna have a sketch of a curve. Alors, ça, c'est mon graphe ici. Voilà. Maintenant, il fait une normale. Allez, premièrement, prenez une normale. Vous avez une tangente, allez. Une tangente. Une tangente maintenant. Et maintenant, il fait une normale, allez, passe par point moins 1, moins 2. So, if this is the tangent, voilà. So, this is the tangent. Means that this is the normal. Normal là, il vient de faire 90 degrés. Voilà. Et il finit de dire comme ça que the normal to the curve at the point moins 1, moins 2. Voilà. At the point moins 1, moins. At the point moins 1, moins 2. Il dit comme ça, passes for the point 2, moins 3. Allez, nous disons comme ça, disons 2, moins 3, les boys. Voilà. Now it's easier. So this is the tangent to the curve. This is. The normal to the curve at the point moins 1, moins 2. Monsieur, oui. 2,3 fois, nous allons au normal là. Oh, oui, désolé, très bien. Alors, si nous allons comme ça que, oui, très bien, c'est ce normal là qui est divisé des 2 moins 3 là. Alors, 2, moins 3, nous disons qu'il est là. Alors, 2, moins 3. Très bien, Nishta. Alors, si nous allons comme ça qui est normal là, il peut passer par point moins 1, moins 2. Et aussi, nous allons comme ça que, il passe par point 2, moins 3. Allez, première question, c'est find the value of A.
Voilà, est-ce que tu peux dans le mot qui est pareil comme sa question tout à l'heure là. Simplement, tout à l'heure là, mais c'est un dévoi par l'IX. C'est un bon rappel. Mais c'est un dévoi par l'IX tout à l'heure. C'est un fois si vous pouvez un dévoi par l'IX. But can you have dévoi par l'IX? Yes, you can have. How can you have dévoi par l'IX from gradient of a normal? Let us have a look at it. Alors, ça veut dire de donner des diamants là, de donner des diamants comme ça que gradient of normal, c'est quoi? Les diamants comme ça que le gradient de normal, alors c'est négatif a en x plus 2 to the square. This is gradient of your normal. But the thing is, with gradient of a normal, c'est a sans x carré. Pourquoi? Parce que vous prenez une abréviation qui me carrément un gradient of normal. On a petit travail, on dit y by dx. So what is to be done at this stage? C'est qu'il me faisait faire évidemment un dy by dx. Parce que dy by dx, on va remplacer, on va pas intégrer. Alors c'est dy by dx, which is the most helpful one. Alors ce qui me parfait, on va faire gradient of normal, mais quoi? On va faire gradient of normal. So this is gradient of the normal, le bokeh qui est moins a en x plus 2 to the square. Mais maintenant, par contre, on va nous mettre la même chose par ici. Et gradient of normal. Ça c'est mon normal qui fait passer par moins 1 moins 2 et qui fait passer par 2 moins 3. Alors ce que tout le monde peut essayer, il n'est pas nécessairement faire dy by dx. Là, il n'est pas nécessaire de passer par dy by dx. Parce que toujours ici, mesdames, normal, voilà. So this is your normal, qui est 2, négatif 3. Et ensuite, qui est moins 1, moins 2, par ici. And this one is your normal. Alors, c'est défini, c'est un gradient of normal, il fait comme ça. Mais je n'ai rien à vous faire. Pareil, moi, tout à l'heure, là, y2 minus y1 upon x2 minus x1. Alors, toujours, nous passons à une formule y2 minus y1 upon x2 minus x1. Alors, ce qu'il y fait bien, vous, négatif a en x plus 2 to the square. Faites bien ça que vous mettez deux couleurs, je prends les différentes couleurs. Hein. La peau, c'est bon là. Oui. Now, how would you calculate the gradient of the normal? Y2 minus y1 upon x2 minus x1. Allez, nous travaillons rapidement. Alors, nous prenons ça comme x1, y1, et nous prenons ça comme x2, y2. Allez, y2 minus y1, c'est quoi? C'est moins 3 moins moins 2. Moins 3 moins moins 2. Upon x2 minus x1. Alors, c'est 2 moins moins 1. Voilà. Alors, ce qui nous aide, moins négatif a en x plus 2 to the square. Alors, cela vous donne combien par ici? Moins 3 plus 2, cela vous donne négatif 1. Et ici, par contre, cela vous donne positif 3. Et ici, par contre, c'est négatif a en x plus 2 to the square. Maintenant, le gradient of the normal is equal to this en général. Et maintenant, moi, je me prends ça dans le point là. Je me prends ça dans le point là qui est 2 moins 3 avec moins 1 moins 2. Je ne me tape pas avec le gradient of the normal. Mais ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quand? Normal, là, c'est pas ce quoi? X égale à moins 1 au cube là. Je suis tout d'accord avec moi là. Oui. So this is at x is equal to. So this is at x is equal to negative 1 on the curve. Là, vous n'avez qu'à prendre place x pour négatif 1 ici. Alors, cela veut dire quoi? Alors, cela veut dire que négatif 1 tire. Libérez vos négatif a. Vous n'avez qu'à prendre place x pour. Alors, vous n'avez qu'à prendre place x pour négatif 1 pour ici. Libérez négatif 1 plus 2. Et ensuite, tout le square. Alors cela vous donne quoi là? Négatif 1 plus 2, cela vous donne 1. 1 to the square, cela vous donne 1 même. Ça veut dire que négatif A, niveau négatif 1 tiers, veut dire que A libévo, veut dire que A libévo 1 tiers. Good for this one. Alors ça c'est un des bons gros exemples. Good comme quoi? Bon, pas besoin de faire de l'énergie dans ton mode. Dévinons dy by dx. Sans vous connaître qui vous a fait. Moi, est-ce qu'il me garde ça dans le terme dy by dx? What should be done? Négative réciprocal of this. Vous êtes d'accord avec moi là, c'est encore après ça m'a fait aussi là. Mais ici, ça c'est n et manuel exemple. Que me voir vous avez fait les mines dy by dx, vous trouvez directement dans ces deux points là, vous trouvez la gradient of normal. Moi, en gros, le gradient of normal, pas ici, mais sans qu'il vraiment m'oublier. Alors, ça c'est gradient of normal en général, at any point. But this is gradient of normal at moins 1, moins 2. So this is why it makes sense to substitute that x is equal to negative 1 quand nous pouvons remplacer par ici. D'accord, c'est bon là, hein? Oui, allez, très bien. La plateforme, mais c'est trop simple. Find the equation of the curve. C'est ça qui intéresse moi un petit peu plus pour avoir des flèches de mal et speed par rapport à ça. How do you find the equation of the curve for this point? Alors, c'est trop simple. Prenons exemple, nous avons pris l'équation of the curve. Là, que je vous ai fait là. For you to find the equation of the curve, what is to be done? Anyone, il ne pourra faire pas ici là. Mais finir par le A.
qui fait donc un tir. Qui ne pourra faire une motion of the curve? Les chats, vous demandez à moi? Très bien. Après, nous pouvons intégrer les paramètres. On apprend dans l'exemple 1 à 5. Ça même vous êtes si vous faire. Alors, ce qu'il nous faut faire là, premièrement, nos gradient of normal, c'est quoi? Alors, premièrement, gradient of normal, c'est très très bien. Gradient of normal, c'est moins A. Ça veut dire qu'il est négatif 1 tiers. Ça, c'est x plus 2. Et ensuite, ça, c'est square. So, this is basically gradient of your normal. Now, for you to be able to access the equation of your curve, vous êtes obligé de passer dy by dx. Pénal sur le cellule. Moi, je ne peux pas faire y comme pénal dy by dx. Ça veut dire que vous avez besoin de ça, qui peut être un négatif réciprocal. Vous pouvez faire ça sur négatif réciprocal, which is dy by dx. Les là, from dy by dx, je ne peux pas faire y. Donc, c'est ici, pas ici. Allez, négatif réciprocal, qui peut être pas ici. Allez, négatif de ça, les boutons positifs. Maintenant, réciproque, quel est le combiné? Ça, c'est sur 3, ça. C'est x plus 2 au square au 3. Maintenant, face au réciproque, quel est le combiné? Les combinés 3 divisé par x plus 2 to the square. So, this is for you, dy by dx. Good for this one. Oui? Allez, très bien. Maintenant, là, que je vous ai fait là, je vous ai intégré. So, basically, for you to be able to have y, alors, je vous ai intégré 3 divisé par x. Plus 2 to the square dx. Good for this one. Oui, vous n'avez pas gagné question of curve, you have to integrate dy by dx. Alors, c'est vous qui avez intégré ça. Alors, comment vous faites pour intégrer ça? Premièrement, vous pouvez prendre x plus 2 par le square, désolé, par le 2. Vous faites les mines. Vous faites les mines par le négatif 2 et vous venez intégrer sur l'un composite. Alors, voilà, vous tout venez prendre pointer des points composites. Si je dis, je vais partir 3 là, je mets 2 euros. Ou ça, je vais pas avoir 3 là. Point de multiplication. Allez, intégrer ça. Comment je vais faire pour intégrer un composite? Voilà. Nous copie-paste bracket. Minus 2 plus 1 gives you minus 1. Ensuite, divise par new power. New power, c'est minus 1. Et ensuite, multiplier par différenciation de l'intérieur. Différenciation de x, cela vous donne 1. Et ici, c'est moins plus c. Alors, à la fin, cela vous donne y est égal. Moins 1 fois 1. Cela vous donne moins 1. 3 divisé par moins 1, cela vous donne moins 3. Power négatif 1 ou bien power positif 1 au bas. Alors divisé par x plus 2, power positif 1, qui vous donne x plus 2 même. X plus 2, power positif 1, c'est x plus 2 même. Et ça peut augmenter le mot plus c. Alors voilà, ça c'est quoi sur le mot coble. Maintenant, vous avez un plus c, mon petit résultat. Vous avez quelqu'un qui prend place, un point qui trouve le coble là. Attention, ce qui prend place en là, ça ne trouve que le nombre ça. Donc, ça remplace le point qui trouve le curve, which is négatif 1, négatif 2. Alors, mon égénat prend place. Mon égénat prend place. Négatif 1, négatif 2 dedans. Alors, y, qui est pour mini? Y, pour mini négatif 2. Ensuite, x, pour mini négatif 1. Ça, par contre, c'est moins plus 2. And this is 0 plus 6. Alors, cela vous donne négatif 2 est égal à moins 3 divisé par 1, parce que moins 1 plus 2, cela vous donne 1 plus c. Alors, cela vous donne c est égal à moins 2 plus 3. Moins 3 sur 1, c'est moins 3. Le côté divine, moins 2 plus 3. Moins 2 plus 3, cela vous donne 1. Alors, cela veut dire qu'il est venu là. Limite y est égal à négatif 3 divisé par x plus 2. Et par contre, plus c, limite plus 1. Mais maintenant, vous êtes bien, les diamants comme ça, vous avez ma réponse dans quel style? Ma réponse, vous avez dans style and single fraction. Vous avez trouvé. C'est quel style ça? Y est égal à x plus h, donc x plus k. Elle est bien une seule fraction. But this is too easy, on me dit ça. Moi, je vais faire tout ça avec une seule pièce. Il sera pas LCM. Vous êtes tout d'accord avec moi là? On va faire LCM, il finit une single fraction. Alors, ce qui n'est pas fait pour ici, on met 200 LCM. Alors ça c'est mon négatif 3 par contre, ça c'est mon x plus 2. Et là par contre ici, il y en a 1, je vais faire en bas fois x plus 2. Si je fais en bas fois x plus 2, je vais faire là ou là aussi fois x plus 2. Vous êtes tout là pour là. Now can you add numerators? Yes, because you have same denominator. Alors moins 3 plus x, x pour x, moins 3 plus 2. Alors c'est 2 négatif 3. 2 retiré 3, c'est négatif 1. Et par contre, ici en bas, c'est x plus 2.
La part bleue de qui va le H. H c'était là-haut, n'est-ce pas? H c'est là-haut là. Ça veut dire H pour B tombe moins 1 et va le K tombe positif 2. Je dis bien comprendre les voix ici là. Oui. Is it good for all of you? Ça veut dire que la rapidement, si vous ne vous pas sur la brièvement. Alors, c'est un brilliant normal, c'est ça. Moi, dans mon normal, je finis trouve deux points. Je fais l'hypare avec mathématique. Je dis quand même une question mathématique, t'as vu ça. Alors, si vous avez service à deux points, vous faites y2 minus y1 upon x2 minus x1. You end up with negative 1 third, which is equal to this. Now, basically, ça les pégots ça, at this point. Vous voyez qu'il nous revient pas sur ce point-là, à this point, il y a la clé de moins 5 tir. Sur les capables avec l'autre valeur. C'est pour cela qu'ici, quand vous remplacez, vous allez remplacer x par moins 1. And then when you solve, you're going to end up with value of a. Pour the body, par contre, il demande bien d'être normal. You can never have a question of a curve. Donc, je vais divide by dx. Alors, ce qui me fait reprendre les gradients d'ordre normal, moi, je me divide by dx premièrement. Donc, il divide by dx et gradient d'ordre normal, mais il y a une fin négative reciprocal, which is this. Then from this to get to y, from dy by dx to y, you have to integrate. Quand on a intégré, voilà, nous gagnons soit la part bleue plus c. Et maintenant, tout le temps que nous n'avons pas rien plus c qui est bien défini, bien curve là-bas. Now, how do you find any unknown for a curve? Tout le temps que nous n'avons pas rien, aucun unknown, qui est quoi sur une ligne, qui est quoi sur une curve, nous n'avons pas remplacé un point qui trouve la ligne, soit curve là. Alors, on arrive ici with an unknown c pour the equation of the curve. Alors, ce qu'on a trouvé très clairement, on a un point, moins 1, moins 2 qui peut trouver la curve là. Mais dès qu'on a pris place au x coordiné, depuis que mon arrivée, mais dès qu'on a pris place au y coordiné, pour moins 2 que mon arrivée, you work it out, you end up with value of 6 equal to 1, which is up to here, ça veut dire divin, moins 3, alors x plus 2 plus 1. Maintenant, le fait qu'il soit en réponse à une single fraction, you put good use of LCM over here, so finir avec valeur h avec valeur k. D'accord, c'est bon là, hein? Oui, allez, baisse le détail.